Salut les Wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Flo, je suis avec Nico Posier, Matt de la team Lulu. Enchanté. Et Gaëtan qui était en stage avec nous donc à Ibaritz il n'y a pas très longtemps. Donc on va voir un peu si ça a progressé. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une vidéo, on va dire, en trois parties. Il va y avoir les 9 premiers, les 6 premiers trous donc sur la chaîne de War of Golf, les 6 trous d'après, donc du 7 au 12, 7 au 12 sur la chaîne de Nico, et la dernière partie sur la chaîne de la team Lulu. Alors aujourd'hui, on va jouer donc Nico et moi contre Matt et Gaëtan. On va jouer en scramble match play avec des coups rendus. Ça va se faciliter, on va dire, les départs, puisque Nico et moi on part des blancs et Gaëtan et Matt partent des jaunes. Du coup, 10 coups rendus. Ça va picoter. Donc déjà, ça compte bien parce que en fait, c'est handicap 10 au trou numéro 1. Et ben, ça commence, ils ont un coup rendu. On arrive sur un joli petit par 4. Donc on va vous présenter un petit peu tout ça. Sur ce, bonne partie à tous. Alors, donc trou numéro 1. On est sur un par 4 de 353 mètres des blancs et 326. En gros, si on regarde de plus près le plan, ça donne ça. Donc un par 4, il n'y a pas gros danger visuellement, hormis que dès le départ, vous voyez, les départs sont en hauteur. Donc on a un départ plongeant, ce qui va être très intéressant. Oh mon Nico, toi, t'as pris quoi? La babatte. La babatte. La babatte. Bon, j'ai fait la même, on va partir à froid, donc ça va être sympa. Première balle de la journée. Tu veux engager ou tu veux j'engage? Vas-y, vas-y. On fera toujours en sorte que tu y joues en premier et puis je joue en deuxième et on verra ce qu'il en est. Alors du coup, hop. Là c'est plutôt un fade, tu vois. Ouais, voilà, il faut s'appuyer un peu sur la partie gauche. Gauche, en fade. Ok. Ok. Elle est dans la butte. Elle est en vie. Elle est en jeu. Oh, les départs sont très jolis. Ouais, on se met au golf de Touraine. On est fort en plus. Bon. Ok, avec mais, Nico. Mais Gaëtan, il est sympa, tu vois, il vient toujours m'aider à chercher mes balles. Solidaire. Merci Gaëtan. Oh, il est solide, tombe. Yes. Elle revient bien, la partie gauche du bunker. Et voilà. Voilà, parfait mon mince. Là, alors du coup, on a pris ma balle, puisque celle de Nico était là-haut du coup. Mais c'est surtout, bon après, pour passer par-dessus l'arbre, en 1100 wedge, ça pouvait passer, mais ça pouvait piquer. Matt est juste devant là-bas. Alors nous, on va la faire comme ça. En termes de distance, Nico, on a combien? 131 mètres. 131 mètres pour le drapeau. Go, go baby. Ok. Avec le petit kick qui revient à droite, on sent que tu joues à la maison quand même. Ok, c'est donc par pour les gars. Nous, il faut qu'on la boîte pour gagner ou en deux fois pour égaliser. Oh. Allez, donnez. Voilà, va voir. Oh,
Celle-là. Bien, mon poulet. Ça, c'est sur la piste, c'est assuré. Petite capone. Génial, Matt. Elle est pas très puissante. Elle est assurée, elle est sur la piste. Ça fait le temps. Et ça, c'est bon. Ça. Oh, elle est belle. Ouf. Oh, elle est belle. Sous shot. Sous shot. Allez, à gauche, ça. Ouais. Ah, oh. Socket. Dynamique. Ah. 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 C'est cool, il y a... Allez, break, 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 encore. Super, Matt. Excellent putt, ça. Ok. Oui monsieur. Allez, trou numéro 3, toujours square. Donc c'est bien parce que du coup on s'est pas trompé au niveau de la répartition des points. C'est temps d'axe sur de nouveau 1 par 4. Encore un point rendu. C'est cool, c'est qu'à la fin il y en aura plus. Donc 355 mètres, léger 2 de leg droit. Ça a l'air pas tant mal. Et en gros le trou donc là-bas tourne vers la partie droite. Tout est permis. Tout est permis. Allez, parfaite. Super, mon gars. Bon, allez. Parfaite. Deux très, très, très belles balles. Oh, oui, mon gars, t'en rends bien, ça. Allez, trajectoire de maths, c'est des avions. Ça se voit qu'ils travaillent, hein. Encore, reviens. Pas mal du tout. Referme les mains. Bien, Gaël. Ouais. Va faire, va faire. Ah, ouais, tourne un peu. Va faire. Donc là, on a la balle de maths. Gaëtan, il a mis un monstre derrière, là, à flyer. Ah, bah heureusement. Heureusement que tu as pris un coup de main. Un club de moins. Donc du coup, Nico est ici. Moi, je suis à hauteur aussi, donc sur la partie gauche. On va prendre celle de Nico. Bien joué les gars, bravo. Comment beau birdie, hein. Bien mec. J'ai entendu un mot qui est intéressant. Trou numéro 4, le trou signature, vous avez l'habitude les amis. Et on n'a pas de coup rendu là-dessus. Oui monsieur. Très joli. Et en plus, on part avec les blancs. Ouais, donc, puis, du coup, ben, on va prendre un coup rendu quand même. On s'autolère un coup. Alors du coup, trou numéro 4. Trou numéro 4, un joli petit trou, sympathique. Ça descend. 103 mètres des blancs,
du moins sur le papier. Handicap 18. Donc sur le papier, il est vraiment assez court. Avec le dénivelé, c'est ça qui va être intéressant. Non, ça c'est les arbres. Ah, c'est les arbres. Alors. C'est les arbres qui sont plus petits. Oui, j'ai fait 100. Il y a combien, Nico? Combien il y a? 85. En descente? Ok, 85 mètres. Donc. 95, ok, en descente. Donc 95 en descente, il y a à peu près, on dirait, vu la taille des arbres, on dirait un petit 10 mètres, donc on va jouer pour 85, je pense. 85 mètres. Allez, encore. Reviens, reviens. À hauteur. Parfait. Pas en descente, pas simple. Ah ouais, ça descend comme ça? Ça descend gauche-droite. Oh là là, celle-là, elle va faire mal. Avance. Oh, celle-là, elle fait mal. Oh, le spin. Ah ouais, c'est le pigé en fait ici, quoi. Ça met du spin, quoi. Watch out. Boom. Oh, le petit bras. Vol. Hop là, mais moi je connais la piste. Hop, hop, ça l'était. Voilà. Il arrive, il a. C'est un chip quoi. Il l'a chipé à plat. Ah, regardez ça comme c'est beau. Alors, du coup, on arrive là sur le green. Donc, Gaëtan a frappé très haut dans les arbres là-haut. Du coup, Matt est ici. Nico est là. Donc, Nico a joué pour 85 mètres. Donc, il est tombé pile à hauteur du drapeau. J'ai joué pour 85 mètres aussi. Je suis tombé pile à hauteur du drapeau. Mais regardez ma balle, elle est ressortie du green. Donc ça arrive malheureusement. On va voir un petit choix sympa. Ça va, ils ont pris la balle de Matt. C'est petit bras ça. Ok. Et à 4 mètres de l'entrée du green, on voit qu'il y a de la rosée en fait. Et ensuite ça redescend. Oh là là, c'est exceptionnel ça. Ouh, c'est bien peuté ça Matt. Ça s'échappe. C'est donné. C'est bon les gars ou pas? C'est donné. Allez. Allez. Ouais, ça, c'est un copain, ça. Allez, ça, solide. Alors, quand tu arrives ici, tu fais bon. Qu'est-ce qui se passe? Par où? Et ensuite. Magnifique. Ah ouais, c'est très joli. Départ soigné. Et départ en hauteur, super joli, effectivement. Joli drone. Un drone gaucher, mais. C'est un drone gaucher, effectivement. Alors, comme vous avez dû le voir dans la présentation de Chris, nous on est ici, et les blancs sont tout en haut derrière la forêt, 100 mètres derrière. Mais par contre, l'avantage d'être au blanc, c'est que le doglet qui est là disparaît. Alors que nous, on l'a. Ouais, elle est un peu chambelle. Bon, elle sera là. Ok, elle finit. Milieu de fairway. Alors, Gaëtan a mis une bonne balle en plein milieu de fairway. Je vais tenter d'attaquer un peu et d'épouser le doglet grâce à mon slice légendaire. Exactement. Hey. Parfaite, Matt. C'est là les coquines, les amis. Les amis, on n'est pas bien du tout. Moi, ma balle, bah, j'ai fait une offrande à la maison là, donc il aura une jolie Pro V1 toute neuve dans son jardin. Du coup, Matt, il a mis un avion, il est genre là-bas. Du coup, nous, on est dans la mouise, bien sympathique. Heureusement que c'est un par 5. Là, faut le sortir celui-là. C'est... Elle est où? Elle est sortie, elle est dans le rug. Oh là là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Du coup, moi, je vais essayer de piquer. Ah. Voilà. Avance au fer 4, il a mis.
Ok. Dis-donc, il est sympa ce par 4. Ouais. Mais en fait, c'était un par 3 vu que vous avez un coup rendu, c'est ça? C'est un très joli drive. Ah bah tu l'as fait bobo. Ouais. Donc l'idée pour moi, ça va être... tu filmes là? Ouais, ouais. Donc l'idée pour moi, ça va être petit fern-up lay-up pour assurer. Et Gaëtan, il va attaquer au bois. Voilà. Ah, c'est bon. Oh, Matt, tu l'as même pas joué le shot là. Ok, joli lay-up. Oh là là, là. Oh, c'était dégueulasse. Alors, si j'arrive à faire le double traceur, t'as le divo, il est parti là-bas. Et là-bas, il est parti là-bas. Allô, ah, pas... Oh, elle est parfaite. Pouah. Allez, encore. Allez. Encore. Oh, elle est fantastique, celle-là. Tombe. Oh là. Oui, monsieur. Dans la boîte. Dommage. Bon les gars, bien. Donc voilà pour eux. En même temps les gars, on va pas. Oui, si... non, là, non, faut pas, faut peut-être pas déconner. Vous pétez quand même pour Eagle ici quoi. Ah, bon. Tombe. Un petit bunker là-bas. Oh, elle a pris le grillage. Elle est revenue. Ok. Ah, ça c'est un peu trop à droite. Ah, merde. Oh, ça, la petite mousse. Yes, ça. Elle est parfaite. Super. Bon, on filme un peu de loin. Et au fond du green à gauche. Donc les gars, 76 mètres, légèrement en montée. On va essayer de replacer un peu tout ça d'aplomb. Oh la vache. Replacer, désolé, vous serez tordu les amis. Avance. Avance. Ok, bout de green. Voilà, là, là. La trajectoire était pas mal, un peu court. Bien. Il est crispé. Il est crispé. Bon les copains, je suis légèrement frustré. Mais ça pas grave, on va voir la suite tout de suite donc sur la chaîne de Nico. Avant ça, pensez bien à déjà nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à ne pas trop m'allumer par rapport à mon niveau de jeu. Je suis en chantier toujours, hein, je le rappelle. Mais ça va venir petit à petit. Bon, je le rappelle pour le moment au niveau du score. Tout up, tout up.
avec Gaëtan qui est là-haut. Alors bon, on est coincé entre deux parties, on a une partie de 2 derrière et une partie de 4 devant qui avance pas des masses. C'est pas grave, je vais me réveiller bien comme il faut. En plus il fume plus maintenant, c'est parfait, je vais être détendu. Ouais, ça va être ça. Donc pensez bien les amis à liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve très très vite et tout de suite sur la chaîne de Nico pour la suite. Et je le rappelle, les 6 derniers trous sur la chaîne de la team Lulu. Ciao les amis. Ciao les wargolfers.